retentira là-haut quand l'appel retentira. Oh, quand l'appel retentira, je sais. Retentira là-haut quand l'appel retentira. Là-haut quand l'appel retentira. Quand l'appel retentira, je serai là. Béni soit le nom du Seigneur. Prions tous ensemble, notre Seigneur. Si travaillons pour notre maître du matin au soir, parlons de son merveilleux amour. Parce que nous voulons être là ce jour-là quand l'appel retentira. Pourquoi nous devons confesser nos fautes devant le Seigneur, mettre notre vie en ordre envers le Saint-Esprit, envers la parole de Dieu. Nous prions pour les services de ce soir, parce que nous avons besoin de la visitation de la part de notre Seigneur. Priez pour ton frère, priez pour ta soeur, priez aussi pour notre pasteur et pour l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole ce soir. Alléluia. Pour lui, j'ai tout abandonné, ôté
sensible, oh, même si c'est mondain. Où que Satan m'étende, par Jésus j'attendrai. Le but, alléluia, la brillante étoile du matin, les laisser la vallée, sur les plis beaux d'entre timides. Oh, il ne me quittera jamais, ne me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté, sa volonté. Je ne crains rien, mon âme affamée s'est nourrie de sa manne. Oh, nous ravis dans la gloire, verrons sa face bénie, la jamais couleur. Délice, alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000. Oh, mon réconfort. Ben appui dans les tourments, il m'invite à lui confier. Souci, alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le pipeau d'encre 10 000 pour mon âme. Alléluia, alléluia. Alléluia. Le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous acclamons ce Jésus parmi nous ce soir. Nous applaudissons très fort notre Seigneur ce soir. Nous saluons sa présence au milieu de nous. Nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Nous te rendons grâce ce soir. Nous te bénissons ce soir. Parce que tu es bon Seigneur. Tu es le meilleur ami pour nos âmes ce soir. Tu es le seul ami que nous avons ce soir. Tu es le seul bien que nous avons ce soir. Merci beaucoup pour cet après-midi. Tu as pourvu à ce que nous puissions venir dans la maison de Dieu pour venir te louer, pour venir t'adorer, pour venir t'élever. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la protection que tu nous as accordée depuis que nous sommes séparés ici le dimanche. Le Seigneur était avec nous. Le Seigneur nous a soutenus. Le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a guéris. Le Seigneur nous a exaucés. C'est pourquoi nous l'acclamons encore une fois. Nous poussons des cris de joie pour le Seigneur. Nous disons gloire à Jésus ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu à jamais. Oh, le Dieu de la Bible. Le Dieu des apôtres. Le Dieu des saints est ici. Le faiseur de miracles est ici. La Bible dit Jésus allait ici et là. Accomplissant les biens. Jésus faisait toujours les biens quand il était sur la terre. Et nous croyons ce soir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va accomplir de bonnes choses et pour ses enfants, il va pardonner les péchés ce soir. Il va exaucer nos requêtes ce soir. Parce qu'il est ici au milieu de nous. Bénis ton peuple qui est venu ici ce soir. Nous confions ces services entre tes mains. Bénis ton serviteur qui va prêcher la parole. Laisse que tu puisses l'utiliser puissamment ce soir. Laisse que tu puisses mettre des paroles dans sa bouche. Avec ce qui sortira de sa bouche. Que ce soit le Saint-Esprit de Dieu, nous parler de la part du Seigneur. Bénis notre cher pasteur, envoyé du missionnaire. Sois avec nous là où il est à ce moment, Seigneur.
Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous inclinons nos cœurs devant toi. Parce que nous ne méritons pas d'être ici ce soir. Mais la grâce de Dieu est envers nous. Laisse que tu puisses pardonner nos péchés. Que tu puisses pardonner nos manquements. Et que tu puisses nous regarder sous les sens ce soir. Béni sois-tu à jamais. Nous chassons tout ce qui n'est pas de Dieu ce soir. Tous les démons de l'enfer. Tout en vous. Diabolique, toutes les pensées négatives, les soucis de la vie, les fatigues de la journée, tous les faiblesses corporelles, tous les démons religieux, tous les fanatismes, nous les chassons dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est tombé dans le lieu aride. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de ses services du début jusqu'à la fin. Nous t'acclamons, Seigneur, nous saluons ta présence parmi nous. Nous disons merci Seigneur, car nous avons ainsi prié par la foi. Au nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Nous disons Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Nous pouvons saluer la présence du Saint-Esprit parmi nous. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi, sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur. Nous chantons ces cantiques. À la croix où mourit mon Sauveur. C'est dans le numéro 14. Nous chantons avec joie l'honneur de notre Seigneur. Oui, à la croix où mourit mon Sauveur, j'ai crié pour être purifié. La laissant vite appliquer à mon cœur, alléluia. Oui, chantez gloire, son nom Jésus, gloire, son nom l'agneau immolé. La laissant vite appliquer à mon cœur, alléluia. Oui, je suis incroyablement sauvé. Dans la douceur, Jésus est à moi. Là, la croix où il m'a réussi, alléluia. Oui, chantez gloire, son nom Jésus, gloire, son nom l'agneau immolé. Là, laissant fait appliquer à mon cœur, alléluia. Et en son nom, lui est fontaine qui sauvait du péché. Je suis serré d'y être plongé. Là-bas, Jésus m'a sauvé, m'a lavé. Gloire et en son nom. Oh, Jésus, gloire. Jésus, gloire. En son nom. Oui, là, les sans-fils appliquent à mon cœur, alléluia. Oui, viens à la fontaine riche et douce. Jette ton âme au pied du Sauveur. Plonge-t'y aujourd'hui et sois pur, alléluia. Ah oui, chante gloire et en son nom, Jésus, gloire. La gloire, la laissant fait appliquer à mon cœur, alléluia. Et je suis perlera étranger, errant dans ce monde pécheur. Oui, si ma route est vers la cité, lorsque les saisons entreront, car les saints, oui, entreront ce jour-là. Moi aussi, Seigneur, je vais être de ces nombreux. Lorsque les saisons terreaux, oui, je sais, je verrai mon Sauveur. Si ma vie est libérée, libérée, les ciels m'ouvrir.
assemblée autour du trône. Et les portes sont fermées, oui, sont fermées. J'ai crié, et gloire, et gloire. Oui, lorsque les saints ont, oui, chanté car les saints. Oui, ce jour-là, les saints ont très moi aussi, Seigneur, je vais être de ces nombreux. Et lorsque les saints ont très oui, j'attends que les chariots descendent. Et je m'enterrai à bord si les nids, oui, j'irai au ciel. Et lorsque les saints ont très car les saints. Oh, oh, lorsque les saisons, oh, moi aussi, Seigneur Dieu. Lorsque les saisons, oh, oui, Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs, alléluia. Oh, oh, Jésus est le Seigneur des seigneurs. Oui, Jésus est le roi des rois. Oui, Jésus est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oui, Jésus est le Seigneur des seigneurs. Oh, il est le roi. Oh, le Seigneur. Oh, alléluia. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des saints. Oui, chantez, il est le roi. Oui, le Seigneur. Oh, alléluia. Jésus est le roi des rois. Oh, Jésus est le Seigneur des seigneurs. Et nous sommes en retour en Jérusalem. Mais nous sommes en retour à Jérusalem. Jérusalem, oh Jérusalem, oh oh, chantez Jérusalem. Et nous sommes en retour en Jérusalem, mais nous sommes en retour en Jérusalem. Chantez Jérusalem, oh oh, Jérusalem, chantez Jérusalem. Poussons des cris de joie pour le Seigneur. Eh, tous allez causons gana Jérusalem. Mais tous allez causons gana Yemba Jérusalem. Oh, Yemba Jérusalem. Eh, Yemba Jérusalem. Oh, nous sommes en retour à Jérusalem, mais nous sommes en retour à chanter Jérusalem. Oh, chanter Jérusalem. Chanter Jérusalem. Eh, kamama wimpikanisa, wimbi upendo wa Mungu, imba kamama wimbi wanduku. Tu me bénis, alléluia, 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 tu me bénis, alléluia. Imba, tu me bénis, alléluia, 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 tu me bénis, alléluia. Oh, pour Anitele, Anitele. Imba, pour Anitele, Anitele. Oh, yes, on a tembeya, tembeya, yes, on a tembeya, yes, on a tembeya. Imba, yes, on a tembeya, tembeya, na tembeya, yes, on a tembeya. Eh, tu en deni sayuni, sayuni, ni sayuni, tu en deni sayuni. Oh, sayuni, oh, sayuni. Sayuni,
Jésus-Christ, ce soir, nous croyons que nous allons vivre éternellement. Nous croyons que nous avons déjà la vie éternelle. Amen. Amen. Acclamons pour la présence du Seigneur. Que Dieu soit loué à jamais. Bénisse notre précieux frère Don Joseph. C'est merveilleux louange. Bénisse chacun de vous également. Au nom de Jésus-Christ. Nous saluons chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Et toi aussi tourne à gauche. À droite. Dis à ta famille, dis à ton frère, dis à ta soeur, ma famille, que Dieu te bénisse. C'est merveilleux de nous retrouver dans la maison de notre Père. Ici nous sommes chez nous. Ici tu es chez toi. Sens-toi libre. Sans dans la maison de notre Père. Nyumbani mwa baba yetu. Il y a la paix. Kuna salama. Il y a la joie. Kuna furaha. Il y a l'amour. Kuna upendo. Il y a toutes les bonnes choses. Yote mazuri. Acclamons la présence de Dieu. Tupigie uwepo wa Mungu furaha. Mkono wa shangwe. Dieu soit loué. Bwana sifiwe. C'est une autre semaine qui a commencé. Ni wiki ingine imeanza. Une autre bénédiction qui a commencé. Imeanza pia. Une autre visitation. Tembeleo ingine tena. Qui a commencé. Iliyoanza. Chaque jour, chaque kila semaine. Kila siku, kila wiki. Dieu ajoute. Mungu anaongeza tu. Bénédiction sur bénédiction. Mibaraka juu ya mibaraka. Nous avons terminé une semaine. Tumemaliza wiki moja. Tena glorieux. Tukufu sana. Avec l'homme de la foi. Na mtu wa imani. Et plein feu. Mutu wa moto kabisa. David Bodala. Est-ce que nous étions bénis? Dieu tulibarikiwa kweli. Est-ce qu'on peut acclamer? Tunapigia kule mkono wa shangwe mjua kipaji ya Mungu. Amen. Amina. Dieu vous bénisse richement. Mungu kweli akubariki daima. Monsieur Frère Bodala. Ndugu wa damani David Bodala. Mchungaji hayarudi kwanza. Anaendelea kutumika Senegal, huko Senegal, mais il viendra incessamment. Lakini atakuja karibuni. Je crois que vous continuez à prier pour lui. Na waza mungai na endelea kumwombea. Il est sur le terrain missionnaire. Iko kushamba ya kazi ya missionnaire. Et lui aussi ne cesse de prier pour nous. Na haache kutuombea. Il est absent de corps mais présent d'esprit. Nakosekana kwa mwili lakini kiroho anakuwa hapa. Amen. Amina. Et cette semaine il a choisi pour nous. Oui, aituchagulia basi sisi. Le frère Jacques Ngongo pour la prédication de la parole. Mercredi aujourd'hui, jeudi et le dimanche. Amen. Amina. Il est revenu fraîchement de Kinshasa.
Amen. Amina. Tu me maries à de sa belle-sœur. Tu es en doa ya da, ya mkwe wake. Là aussi prêché là-bas. Les enfants de Dieu ont été watoto bénis. Mungu alibarikiwa. Et nous croyons que nous aussi nous serons bénis. Nasi tutabarikiwa. Amen. Amina. Ainsi sans tarder. Kukawia, vous laissez assez de temps. Mwachia wakati nous permettre aussi de sortir avant les temps. Urusu pia tutoke mbele wakati. C'est 17h moins le quart. Iko saa 11 kondoka dakika. Je vous invite à vous lever. Alors que le conducteur de chant chante pour Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amina. Je suis très heureux d'être devant vous. Na kwa frasa, na kwa mbele yenu. Vous m'aviez tellement manqué. Kweli mlinikosa sana. Pendant beaucoup de temps. Wakati mingi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Na leo kupitia neema ya Mungu. Dieu permet que je sois devant vous. Mungu aliruhusu nikuwe mbele yenu. Je suis sincèrement reconnaissant au Seigneur na Jésus. Nashukuru Bwana na moyo wangu wote mzima. Que Dieu bénisse le pasteur. Mungu abariki mchungaji. Que Dieu bénisse le président des diacres. Mungu abariki mkuu wa mashemashi. Que Dieu bénisse toute personne qui est venue aujourd'hui. Mungu abariki. Je vous aime tellement. Nawapenda sana. Est-ce que vous m'aimez? Je mnanipenda kweli? Merci beaucoup. Asante sana. Nous allons prier le Seigneur. Tamomba Bwana. Immuable, incomparable.
inexprimable. C'est l'amour divin. Oh, oh, oh. Oh, château pour moi. Alléluia. Oh, pour moi, il est sauvé par grâce. Pour moi, pour moi. Alléluia. Qui est malade ce soir et toi qui es dans les difficultés, oh alléluia, l'amour rédempteur. Oh comme c'est bon, comme c'est bon, comme c'est doux, comme c'est doux. C'est vrai, c'est l'agneau, l'agneau divin, oh, l'amour rédempteur. Moi je dis pour toi qui es malade ce soir, pour même si tu es dans les péchés, pour peu importe tes erreurs. Même si tu as des problèmes, soumets cela sous la présence du Très-Haut. L'amour rédempteur. Père céleste, nous te louons. Père, nous te lévons. Nous t'acclamons. Nous te disons merci. Reçois nos cris de joie. Réodis, alléluia. Merci. Baba Mtakatifu. Ce soir, nous sommes venus devant toi, Père. Avec nos erreurs. Avec nos failles. Avec nos faiblesses, avec nos maladies, avec nos problèmes, nous n'avons pas regardé ce que nous sommes, mais nous sommes venus devant toi, Seigneur, parce que nous savons, dans ta présence, tout est possible. Tu peux changer la situation de quelqu'un maintenant. Tu peux changer, oh Dieu, la vie de quelqu'un maintenant. Tu peux toucher un cœur qui est sincère ce soir. Tu peux bénir celui qui a besoin de la bénédiction. Tu peux délivrer maintenant, Seigneur. Tu peux guérir. Tu peux pardonner. Tu peux remplir du Saint-Esprit. Maintenant même. Ah, Iwakati tu. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour Peter Tabernacle. Merci pour Jacques Ben Bilombe. Merci pour Joseph Lokolo. Merci pour le Saint de Dieu. Merci, merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois, Seigneur, que personne, pas même une personne ici, qui sortira tel qu'il est entré, que personne ne soit plus faible, qu'aucun esprit impie ne se tienne ici dans ta présence. Amen. Peu importe la hauteur de la montagne, devant Zorobabel, elle sera aplanie.
peu importe la hauteur de ton problème, devant le Seigneur Jésus-Christ, cela sera aplani. Peu importe la hauteur de ta maladie, devant Jésus-Christ, cela est guéri. Maintenant, recevez ce dont vous avez besoin. Alléluia. Oh, je vous remercie. Oh, je vous remercie. Bénis la parole qui sera liée. Bénis notre précieux pasteur. Bénis lui là où il est, Seigneur. Bénis sa chère épouse, maman. Bénis tous les saints de Dieu. Oh, Seigneur, prends-moi l'homme. Mets-moi de côté. Prends l'interprète. Mets-lui de côté. Prends ton église. Mets l'église de côté. Seigneur, parle à toi-même. Parle à toi-même. Que tu dises amen à ta parole, Seigneur. Que tu croies à ta parole. Que tu chantes des solutions. C'est toi-même. Car cette épouse qui est devant moi, c'est ta représentation, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de te voir. Ils ont besoin de t'écouter. Ils ont besoin que tu donnes solution à leurs problèmes. Aujourd'hui et maintenant, accorde-les au nom puissant. Puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Merci pour votre assistance. Merci pour votre présence. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Nous lisons directement la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 14. Du verset 22, verset 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur les eaux. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il marchait et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Et ils montèrent dans la barque et les vents cessèrent. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. Mara moja kalazimisha wanafunzi kuingia chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ngambo wakati yeye alipokuwa akiruhusu makutano. Na alipokwisha kuruhusu makutano, akapanda mlimani peke yake kuomba. Na wakati magharibi ilipokuja, alikuwa pale peke yake. Lakini chombo kilikuwa sasa katika bahari, kikataabishwa sana kwa mawimbi, kwa sababu upepo uliwatokea kwa mbele. Kwa zamu ya ine ya usiku, Yesu akawakwendea akitembea juu ya bahari. Na wakati wanafunzi walipomwona akitembea juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni maono. Wakalalamika kwa sababu ya woga. Lakini Yesu akawaambia mara moja akisema, muwe na furaha, ni mimi, msiogope. Petro akajibu akasema, Bwana, ikiwa wewe uniruhusu nifike kwako juu ya maji. Akasema, kuja.
Petro akashuka chomboni, akatembea juu ya maji ili aende Yesu. Lakini wakati alipoona upepo, akaogopa na akianza kuzama, akalalamika akisema, Bwana uniponyeshe. Mara moja Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, wewe mwenye imani ndogo, kwa nini uliona shaka? Na wakati alipopanda chomboni, upepo ukakoma. Nao waliokuwa chomboni wakamwabudu wakisema, kweli wewe mwana wa Mungu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, asseyez-vous. Mungu abariki neno lake mukae. Amen. Amina. Je suis très heureux, comme je vous l'avais dit, nina furaha sana mliniambia, d'être à la maison. Kukua nyumbani. Après à peu près deux mois. Kisha karibu miezi mbili. Amen. Amina. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le frère David Bodala. Mungu abariki mtu wa Mungu David Bodala. Pour une puissante prédication du dimanche. Je maubiri ya uwezo siku ya Jumapili. Vous avez reçu gratuitement. Mmepokea kwa bure. Donnez gratuitement. Toweni pia bure. Cela était réellement une bénédiction pour moi personnellement. Kweli kulikuwa mibaraka kwangu mimi kibinafsi. Que Dieu bénisse papa. Mungu akubariki baba. Amen. Amina. Et aujourd'hui nous sommes là pour la parole de Dieu. Na leo tuko hapa juu ya neno la Mungu. J'avais un petit sujet. Nilikuwa na lengo ndogo. Je l'ai intitulé Quelque chose change quand Jésus arrive. Nileta lengo lake kitu fulani kinabadilika wakati Yesu anafika. Bethel tabernacle. Bethel maskani. Quelque chose change. Kitu fulani kinabadilika. Quand Jésus arrive. Wakati Yesu anafika. À chaque fois. Kila mara. Vous vivez. Unapoishi. Il faut savoir. Naomba kujuaka. Quand Jésus arrive. Wakati Yesu anafika. Il y a quelque chose qui doit changer. Lazimisho ibadilike. La présence de Jésus change les circonstances. La présence de Jésus change les choses. Si seulement si. Kama tu. Tu laisses Jésus. Unaacha Yesu. C'est entrer dans ton problème. Que Jésus Yesu s'implique dans ton problème. S'il s'implique, sache qu'il y a quelque chose qui arrive. Parfois nous écartons Jésus. Nous oublions même Jésus. Mais Jésus, Yesu, il ne nous oublie jamais. Le prophète dit, ce jour-là, après avoir multiplié les pains et les poissons, Jésus était monté à la montagne. Il était parti prier. Mais il était monté à une montagne les plus élevées. Pour bien voir ses disciples. Parce qu'il savait que les flots viendra, que la tempête viendra. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il est monté dans les lieux les plus élevés pour surveiller son épouse, pour regarder son église. Il connaît ton problème. Il connaît la situation que tu traverses. Peu importe la durée, il connaît cela. Il a vu cela. Il est dans le lieu céleste. Il te voit. Il t'observe. Il regarde tes mouvements. Dans le bateau de la vie, sur la mer de la vie, Dieu te regarde. Il connaît que la tempête arrive. Il sait que la tempête est déjà là. Il connaît que la maladie est là. Il connaît que les problèmes sont là. Ne pleure pas comme le monde. Regarde à Dieu. Regarde à Jésus. Rappelle-lui ses paroles. Ce qu'il avait dit, il accomplira si tu le rappelles. Il a besoin de son fils. Il a besoin que sa fille reconnaisse qu'il est vivant. Tu dois reconnaître ton Seigneur. Reconnaissez ton Dieu. Vous savez, le serpent de rein, aussi longtemps que ce serpent n'était pas impliqué, que Dieu n'était pas impliqué dans le serpent, le serpent était aussi ordinaire. Mais quand Dieu s'est impliqué, il est entré dans la fête. Il a regardé son peuple qui mourait. Il s'est souvenu de ses promesses. Il a regardé. Il a vu le serpent derrière. Il a dit, j'entre dans le serpent pour sauver mon peuple. Je peux
utilisa n'importe quoi pour sauver son peuple. Dieu vient utiliser la mer rouge pour détruire l'Égypte à cause de son peuple. Et Dieu utilisera n'importe quoi ce soir pour te sauver, pour te guérir, pour te visiter, pour te battre. Alléluia! Aujourd'hui, c'est notre jour. Alléluia! Il est prêt maintenant. Il est ici. Ce soir et maintenant. Il n'est pas un Dieu historique. S'il avait fait, il le fera aujourd'hui. S'il avait parlé, il parlera de toi. Etienne, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Amina. Le puissant conquérant. Prêché le 29 mars 1958. Un jour, paragraphe 14, et nous descendons. Un jour, il y avait un vieux prophète à Dothan. Son nom était Élisée. Et un matin, Kehazi, son serviteur, s'éleva et voici, toute l'armée de la Syrie avait entouré Élisée. Toute l'armée de l'enfer environne aujourd'hui Bethel Tabernacle. Toute l'armée du diable t'environne, les maladies, les problèmes, des choses qui t'arrivent, ce sont les Syriens, ce sont les démons, ils n'ont pas de force sur toi. Tu as un Dieu qui est capable. Alléluia. Et aujourd'hui, et maintenant, j'ai dit maintenant, peu importe ces démons, j'ai un Dieu pour toi. J'ai un Jésus qui est prêt pour vous libérer aujourd'hui. J'ai un Jésus qui t'a écouté avant que tu ne sortes à la maison. Tu y avais prié. Seigneur, que je ne rentre pas avec le même problème. Et aujourd'hui, je dis maintenant, peu importe ton problème, peu importe ta situation, peu importe les difficultés que tu traverses, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je me tiens ici comme fils et serviteur de Dieu. Je déclare ta liberté maintenant même en le puissant de Jésus-Christ. Es-tu malade? Es-tu malade? Touche là où tu te sens mal. Touche là où tu as problème. Et maintenant même. Maintenant même. Pas demain. Pas demain. Pas après une heure. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je déclare ta guérison. Nous avons un Dieu réel. Un Dieu vivant. Il ne ment jamais. Alors il a dit, mon père, nous sommes envahis par toute l'armée de la Syrie. Et ce vieux prophète aussi calme que possible. Je m'étais calme. Je n'aime pas être agité par les démons. Peu importe les problèmes, je m'être calme. Bethel Tabernacle, le calme a une puissance. Le silence a une puissance. Si tu as quelqu'un qui parle beaucoup près de toi, ton calme et ton silence parle mieux. Et aujourd'hui, nous avons un Dieu qui agit dans le calme. Nous avons un Dieu qui agit dans le silence. Même tes soupirs, le Seigneur écoute. Se réveilla et promena son regard sur des dizaines de milliers de soldats. Alors il a dit, eh bien, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et aujourd'hui, sache que ceux qui sont avec toi, Dieu
Mungu a ouvert les ciels. Il a envoyé les anges pour ton service. Vous avez des milliers et des milliers et des milliers de centaines d'anges qui campent autour de vous. De te demander quand tu tombes, il te relève. Quand tu as un problème, il partage chez le Seigneur. Oh Dieu, regarde ton fils. Et quand tu priais, le Seigneur a écouté. Il a donné cette parole pour te guérir. Il a donné cette parole pour te délivrer. Il a donné cette parole pour ta visitation. Mais le jeune homme ne voyait pas. Peut-être Abénak ne voit pas ses anges. Il a dit, oh Dieu, ouvre les yeux de ce jeune homme pour qu'il voie. Et c'est ma prière ce soir. Oh Dieu, ouvre les yeux de Bethel, qu'il voie que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu comprennes que tu n'es pas une chose à jouer. Tu coûtes tellement cher. Tu es tellement cher, Bethel. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, les montagnes étaient embrasées. Les chars de feu étaient tout autour de ces vieux prophètes. Et l'Esprit du Seigneur Dieu est dans cette salle ce soir pour libérer et affranchir. Alors que sa présence est ici. Alors que lui-même est ici. Par la parole du prophète. Par la foi que j'ai. Je crois cette parole. Je le crois que maintenant même, sa présence est à. Ce n'est pas la distance qui peut être une barrière pour notre Dieu. Peut-être que tu ne peux pas être touché par la main humaine. Mais lorsque le Seigneur lui-même passe près de toi et qui te touche, qui te touche là où tu es, qui te touche, qui te touche, qui te touche, qui te touche. Oh Seigneur, par tes mains élevées, par tes mains élevées, tu as représenté quelqu'un qui n'est pas ici. Et tes mains sont déjà honorées. Ta foi est déjà honorée en faveur de cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'ange du Seigneur t'a précédé. Il a accompagné ta foi jusque là où cette personne se trouve. S'il est malade, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri. S'il était lié dans le péché, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit délié. Qui que qu'il soit, au nom de Jésus-Christ, que l'ange du Seigneur aille le toucher là où il est. Et ta main qui est élevée, ce n'est pas au hasard. Tu as besoin d'un travail. Notre Dieu, il ne donne pas seulement le Saint-Esprit, mais il donne aussi le travail. Il donne aussi le travail. Et au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toi qui as besoin de travail, peu importe le travail que tu as besoin, je me tiens, je m'impose. Si quelqu'un se tient entre toi et ce travail, je l'écarte du chemin. L'ange du Seigneur marchera devant toi. Dieu a dit, devant toi, je mettrai des terreurs. De telle manière qu'à tes ennemis vont attendre que tu viennes. Ils seront dans les terreurs. Et aujourd'hui, ton nom va créer, sera objet de terreur dans les cas de l'ennemi. Là au bureau,
Tu as déposé ta demande. Tu as déposé ta demande. Quand ils seront en réunion, en lisant ton nom, que ce nom crée des débats, de telle manière qu'ils vont rayer tous les autres à cause de toi, à cause de ta foi. Les enfants de Dieu ont prié pour ces requêtes. Ils ont beaucoup prié pour ton travail, mais ça n'a jamais tenu. Aujourd'hui, je me pose. Je me pose. Au nom de Jésus-Christ. Ton commerce ne marche pas. Aujourd'hui, tu ne faisais que des chutes et des chutes et des chutes. Je me pose. Au nom de Jésus-Christ. Que ton commerce se relève. Alléluia. Recevez Bokeni. Ce dont vous avez besoin. Ce soir, Mangaribi. La présence de Dieu est ici. Quand Jésus arrive, il y a quelque chose qui arrive. Les disciples, ils étaient dans la barque. Alors que les flots étaient tellement forts, le Seigneur a marché sur les eaux. Alors que les flots battent ta vie, que le Seigneur marche sur les eaux, qu'il s'approche de ta barque. Parce que quand le Seigneur il avait mis ses pieds dans la barque, la Bible dit, les flots s'est arrêtés. Et ce soir, que ton problème, que le Seigneur Jésus-Christ mette son pied. Alléluia. Je le dis encore. Amen. Alléluia. Il a mis ses pieds dans ton problème. Il a mis ses pieds dans ta maladie. Il a mis ses pieds dans tes péchés. Il a mis ses pieds dans tes difficultés. Et aujourd'hui, et maintenant même, ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Marche avec le Seigneur. Marche avec lui. Marche avec le Seigneur. Je dis merci, Seigneur. Lisons ceci. Tu sommes. L'Éternel n'a-t-il pas parlé à Moïse? Bwana kusemea Musa kweli. Paragraphe 3. Kipindi ya tatu. Dieu ne change jamais. Mungu abadilikake kamwe. Sa puissance est tout à fait la même qu'elle était. Uwezo wake utu sawa sana mwe likuwaka zama. Avant la création des temps. Pele umbaji ya wakati. Dieu a créé en prononçant Mungu la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ce qui était au commencement. La parole. Neno. La parole a été faite chair. Et a habité parmi nous. La parole est retournée de nouveau à la forme de l'esprit. Et elle vit parmi les hommes ce soir. La parole de Jésus avait quitté la chair humaine et retourné auprès du Père, prendre sa forme éternelle. Et il est revenu le jour de la Pentecôte pour habiter dans des hommes. Et ce soir, ce même Dieu de l'éternité est ici. Il a accepté de quitter sa forme éternelle pour prendre la forme temporaire. Afin que toi, tu quittes dans le temps pour rentrer dans l'éternité. Et ce soir, si tu as besoin de quitter le corps du temps pour entrer dans le corps éternel, si tu as besoin, que cela te soit accordé.
Seul le Saint-Esprit qui donne cela. Et que le Saint-Esprit habite en vous. Juste le même Dieu vivant au travers des âges. Et ce soir, sa parole est aussi efficace dans le cœur du croyant qu'elle était prononcée au commencement. Je les lis à d'autres termes. Et ce soir, sa parole est aussi efficace dans le cœur de Joseph Lokolo qu'elle était quand elle était prononcée au commencement. Je les relis. Et ce soir, sa parole est aussi efficace dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur, alléluia, dans le cœur de Bethel. Je l'ai dit. Sa parole est aussi efficace dans le cœur de Salomon Chikwanine. Et sa parole est aussi efficace dans le cœur. Alléluia. Dans le cœur. Mets ton nom. Mets ton nom. Sa parole est aussi efficace dans le cœur. Mets ton nom. Mets ton nom. Alléluia. Amen. Amen. Sa parole est aussi efficace. Le prophète dit, Dieu a créé par sa parole. Ce soir, je ne sais pas ce que tu as besoin, mais sa parole est ici, tellement efficace dans le cœur de Jacques Ngongo pour prononcer des bénédictions sur toi, pour prononcer la délivrance, pour prononcer. Pour prononcer. Pour prononcer. Pour prononcer. Et aujourd'hui, si tu crois, il y a un changement. Le changement des noms. Le changement des noms a toujours été avec un impact. Jacob, il était un menteur, un escroc. Quand il a reçu un nouveau nom, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et aujourd'hui, quelque chose doit arriver. Le nom chrétien, c'est pour tout le monde. Mais nous voulons changer. Que chacun doit s'identifier dans la parole. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu es le représentant de Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose, il fera au travers de toi. Si Dieu veut guérir, il fera au travers de toi. Si Dieu veut manger, il fera au travers de toi. Si Dieu veut parler, il le fera au travers de toi. Et aujourd'hui, et maintenant, que son onction soit sur chacun de vous. Car l'onction brise la jougue. L'onction détruit et brise les chaînes. L'onction change la vie. L'onction nous fait tellement différent. L'onction est ici. Que Dieu te oigne. Tu nous fais l'onction. Tu te mènes là où tu iras. Que tu ne parles pas du message, mais qu'il voit le message à toi. Alléluia. Dans le lieu de travail, dans les lieux de travail, on se moque de toi à cause de ces messages. Ils veulent même t'effacer. Ne veulent même pas que tu travailles là-bas. Ça t'a fait attention avec ce peuple que tu veux persécuter. Ce peuple que tu vois, c'est Dieu marchant sur la terre. Ce peuple que tu vois, c'est ce qu'on appelle Madame Jésus. C'est ce peuple. C'est ce peuple qui est la paix de ce monde. Peut-être
tabernacle sans toi, ce monde n'allait pas exister. Tu es ici. Et Bounia existe. Ituri existe. Le Congo est là à cause de toi. Le monde entier est là à cause de toi. C'est toi la paix. C'est toi la paix. C'est toi la paix de ta famille. C'est toi la visitation de ta famille. C'est toi la bénédiction de ta famille. C'est toi la guérison de tes parents. C'est toi la guérison de tes enfants. Amen. C'est toi. Ni wewe. C'est toi. Ni wewe. Il y a une notion sur toi qui t'amènera à changer tes choses. À un instant, tu changeras le cycle de temps. Ta famille, on les a toujours appelés des pauvres. Peu importe les noms qu'on a taxé à ta famille à cause de toi, ça doit changer. Dis, ça doit changer. Dis, ça doit changer. 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 Et c'est changé. Et c'est changé. Et c'est changé. Aujourd'hui, vous êtes venu vous rencontrer avec les top de l'onction. Dieu, il est le top de l'onction à votre rencontre, que quelque chose passe, que quelque chose change. Tu continues à prier. Seigneur, tu ne m'as pas encore touché. Dis merci Seigneur. Parce que Dieu n'est pas loin de toi. Dis merci Seigneur. Parce que Dieu t'a déjà entendu. Dis merci Seigneur. Parce que Dieu, il est monté dans les lieux les plus élevés pour surveiller son peuple. Quand tu passes, s'il y a un problème devant toi, Dieu le voit. Il le voit. Il le voit. Il le voit. Et quand le problème t'atteint, Dieu vient avant que le problème ne te touche. La main du Seigneur te touchera avant ce problème. Hier, le problème t'a touché. Hier, tu avais beaucoup perdu. Mais aujourd'hui, que tout change. Et maintenant, cela est déjà changé. Et aujourd'hui, tout de suite, maintenant, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a des vagues. Des vagues de l'onction. Qui fait atteindre quelqu'un. Amina. Toutefois, quand tu dis, Seigneur, tu y avais promis. Seigneur, tu y avais promis. Seigneur, tu y avais promis. Souvenez-vous. Moïse avait parlé à la présence de Josué en faveur de Caleb. Il avait dit, là où tu avais foulé tes pieds, ce pays, cette province, ces lieux-là, t'es déjà accordé. Ça a passé beaucoup de temps. 45 ans. Mais Caleb n'avait pas toujours touché ça. Mais un jour, Moïse n'était pas là. En faveur de l'épouse, William Branham avait déjà parlé. Dans les années 1947, 1953, jusqu'à 1965, peut-être tu n'étais pas là. Tu n'avais même pas compris le message. Mais Dieu avait déjà parlé à ta faveur. Mais ce jour-là, Caleb, il appelait Josué. Viens. Te souviens-tu, Josué? Ce jour-là, nous étions devant Moïse. Il avait juré. Il avait dit, là où j'avais posé mes plats, je l'avais déjà accordé. Te souviens-tu, Josué? Josué a dit, assurément, je me souviens. Il a dit, Josué, est-ce que réellement tu te souviens? Il a dit, assurément. Et Caleb a regardé Josué en face. Il a dit, Josué, donne-moi ma montagne.
quand vous dites, Seigneur, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma portion de l'onction que tu m'avais promis, Seigneur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Et maintenant. Non, ça, ça. Amen. Notre Josué. Le Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi qu'Abraham, il parlait de l'épouse. Tu étais là. Abraham parlait à la présence de Jésus. Et aujourd'hui, Abraham est parti, mais Jésus n'est pas parti. Et j'ai dit, en faveur de Bethel Tabernacle, mon Seigneur Jésus, te souviens-tu? Tu avais promis que nous ne serons jamais la queue, mais nous serons toujours la tête. Te souviens-tu, Seigneur? Tu avais dit que cette épouse ne faillira pas. Te souviens-tu, Seigneur? Tu nous avais promis une super onction. Te souviens-tu? Tu nous avais promis que nous allons démontrer la parole. Que ces hommes de Dieu vont démontrer la parole. Pas seulement par écrit, mais en puissance. Te souviens-tu, Seigneur? Aidez Josué. Je dis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne à chacun sa montagne. Donne à chacun sa montagne. Donne à chacun sa montagne. Alléluia. Que Dieu te donne la portion qui t'appartient dans le Saint-Esprit. Chacun a sa portion. Que Dieu te donne ta portion. Toi qui es malade, dans le Saint-Esprit, il y a la guérison divine qui est maintenant même en action. Peu importe là où tu es. Tu as des filarioses qui te tourmentent. Fais comme moi. Fais à moi. Panguza tuku panguza. Et c'est parti. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Toi qui as toujours des kystamibes. On a des kystamibes qui la wakati. Touche ton ventre. Gusa ngutumbo yako. Dis-lui que tu es parti. Sema umeenda. Tu mangeras des légumes. Parfois, il y a des choses que tu veux faire, mais tu es toujours bloqué. Parce que le diable a mis des barrières devant toi. Mais la parole de Dieu fraye toujours la voix. Et cette voix, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il a dit, ah mon nom, vous chasserez les démons. Ah mon nom, ah mon nom, ah mon nom. Et aujourd'hui, en son nom, je prêche. En son nom, je déclare. En son nom, que vous êtes guéri. En son nom, que vous êtes libéré. En son nom, que vous êtes venu. En son nom, en son nom, en son nom. Amen. Je dis en son nom. Je dis à son nom. Tu t'inquiètes pour la santé de ton épouse. En son nom. La santé de ton épouse est changée. Nous changeons des choses. Tu veux péter la vie de prière. En son nom. La restitution est là. Je vais perdre la joie du salut. En son nom. La joie du salut est là.
Je réclame les âmes de ta famille en son nom. Ces âmes t'appartiennent. Aujourd'hui et maintenant, Dieu est prêt à maudire tout arbre qui ne produit pas chez toi. Les péchés n'ont rien chez toi. La maladie n'a rien chez toi. Les blocages n'ont rien chez toi. Aujourd'hui, nous avons besoin de produits. Il faut que les fruits produisent. Il faut que l'arbre produise. Mais les arbres inutiles, au nom de Jésus-Christ, je les maudis et qu'ils soient secs, qu'ils ne produisent plus rien. Toi qui étais ensorcelé toujours, les sorciers étaient tes amis. C'était devenu tes amis. Et je le dis. Toi, sorcier qui m'écoutes, n'approche plus jamais ces peuples. Tu es venu pour bloquer leur vie. Ta vie est codée. Ta vie est scellée. Ta vie est cachée dans le sang de Jésus. Personne ne verra encore ta vie. Personne ne touchera ton étoile. Parce que tu es l'étoile. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Quand Jésus était venu à la tombe de Lazare, ce n'était pas la requête de Lazare. Lazare n'avait rien demandé. Mais Jésus voulait. Le prophète dit, Dieu a le plaisir de manifester sa puissance. Peut-être tu n'as pas demandé. Peut-être que tu n'as pas de requête aujourd'hui. Mais je me tiens ici pour tes requêtes qui viendront. Aujourd'hui, recevez des solutions à cela. Et ce que tu avais déjà demandé, même ce que tu demandes aujourd'hui, recevez cela. Dans cette présence, tu ne peux pas rentrer comme ça. Tu dois changer. Tu dois être changé. Quelque chose doit changer. Ta vie doit changer. Dieu doit te visiter. Il doit te toucher. Parce qu'il a dit, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Pas seulement la guérison physique, mais la guérison des âmes, des guérisons spirituelles. Tout s'est passé aujourd'hui. Vous qui êtes bloqués spirituellement, au nom de Jésus-Christ, soyez débloqués. Peu importe ce que le diable a mis devant toi. Il y a un Zorobabel aujourd'hui. Il y a un Zorobabel pour toi, Église. Qui va aplanir ton chemin. Même si la montagne s'élève. Quelle est ta montagne ce soir? Jésus, ne communiez pas avec les morts. À la présence de Jésus, la mort se changeait en vie. Et à la présence de ce Jésus aujourd'hui, ton expérience qui était mort doit changer en vie. Tu as prié. Tu as écrit des requêtes jusqu'à ce que tu aies fatigué. Mais Jésus, il se souvient de sa promesse. Il veut changer ton nom. Il veut ajouter une partie de son nom. Quand Dieu avait ajouté une partie de son nom, c'est Abraham. Abraham était rajeuni. Que tout de toi sois rajeuni au nom de Jésus-Christ. Je le répète, tout, je dis tout sans exception, qu'il soit spirituel, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, que tout soit rajeuni. Recevez
un changement, une visitation pour toi et ta famille, pour toi et ton ministère. Que Dieu soit réel dans ta vie. Dieu s'est souvenu de son peuple. Et il est venu aujourd'hui pour te délivrer. Il veut s'impliquer dans ton problème. Laisse-lui entrer dedans. Laisse Jésus entrer dans ton problème. Laisse Jésus toucher ta vie. Laisse Jésus entrer dans ta famille. Laisse que Jésus entre dans ton ministère. Laisse que Jésus entre dans ton travail. Laisse que Jésus entre. Et la solution est là. Le changement est là. La visitation est là. Car je l'ai dit, comme Pierre, devant la porte appelée la belle, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Mais ce que j'ai. Mais ce que j'ai. En d'autres termes, Pierre pouvait dire, j'ai un autre pied. J'ai un autre pied pour l'estropier. Et ce que tu manques dans la présence de Jésus, tout est là. Tout ce que Moïse manquait, devant le buisson ardent, il avait trouvé cela. Et il était parti conquérir l'Égypte. Mettez le tabernacle. Allez conquérir. Allez conquérir. Allez conquérir. Ta famille. Allez conquérir. Ton travail. Allez conquérir. Ton mariage. Allez conquérir. Tes enfants. Allez conquérir. Les péchés. Brisez les péchés. Alléluia. Brisez les mains. Brisez les malédictions. Brisez les misères. Brisez la pauvreté. Et que la paix na salama règne itawale, et demeure dans ce peuple qui est devant moi. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Recevez ce dont vous avez besoin. Ce soir, ce soir, je ne sais pas ce que tu as besoin, mais je dis, recevez ce dont tu as besoin. Car Christ lui-même est ici. Il est prêt à te donner les désirs de ton cœur. Il veut te changer. Il veut te transformer. Il veut se rendre plus réel. Il veut se matérialiser en toi. Et je l'ai dit, au nom de Jésus-Christ, que cela soit ainsi. Amen. Que Dieu te récompense. Mungu akulipe. Tout ce que tu as déjà fait. Pour son travail. Dieu a kazi yake. Pour ses enfants. Dieu a watoto wake. Que Dieu te récompense. Mungu akulipe. Si kama Assyrus avait récompensé Assyrus alipaka Mardoché. Mardoché. Un homme. Mutu. Qu'en est-il de notre Dieu? Itakuwa, kuna Mungu il ne reste jamais avec la dette Aba de quelqu'un. Deni ya mutu. Toi qui avais fait beaucoup pour les enfants de Dieu. Toi qui avais fait beaucoup pour les enfants de Dieu, que Dieu te récompense à partir de ce soir, à partir de maintenant, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse. Et je dis que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Bon, fiwe, et que Dieu te bénisse. Na Mungu abariki, au nom de Jésus-Christ. Christ, maintenant que chacun prie quelques minutes dans cette grande onction. Katika, quand Jésus arrive, quelque chose change. Si c'était la maladie, c'est la bonne santé, c'est la guérison vienne. Si c'était les péchés, c'est la sainteté vienne. Si c'était l'échec, c'est la victoire vienne. Si c'était la servitude, c'est la libération vienne. Si c'était la pauvreté, c'est la prospérité vienne. Si c'était la tristesse, c'est la joie vienne. Quand Jésus arrive, quelque chose
dois changer. Et toi seul, tu sauras depuis la prédication de ce soir. Quelque chose a changé. Prions le Seigneur. Quand je vais commencer à chanter, nous allons arrêter pour prier. Prie le Seigneur, prends 5 minutes. C'est la réunion de prière. Il nous a dit, amène-les dans ton problème. Peu importe le trouble, la difficulté, la situation, je ne sais quoi. Laisse que Jésus entre un peu là-dedans. Les choses vont changer. Ôte les crédulités, ôte les doutes. Dis Seigneur, viens dans mon problème. Viens dans mon dossier. Viens dans ma difficulté. Viens dans ma situation. Montre-moi un changement. Je veux voir un changement. Que je dois témoigner. Quand Jésus arrive, quelque chose change. Prions ensemble le Seigneur.
Merci, Jésus. Alléluia. Merci. Toi, ma portion éternelle, puisqu'un ami ou la vie pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, Seigneur. Toi, ma portion. Levons-nous. Si ma mère chante cela, avant la prière, un ami ou la vie pendant ma pèlerinage, je laisse-moi marcher avec toi, près de toi. Toi, t'es les mains pour la commande là. T'es les mains, si maman, toi, Naomi, stand up. Si maman, tu pendant ma pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. La prière n'y sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Je souffrirai avec joie, laisse-moi marcher avec toi, oh, près de toi. Puisses-tu me conduire par des la main au ouest de la vie, puis-je la entrer à la avec une homme élevé près de toi, Seigneur. Oh, près de toi. Acclamons le changement. Seigneur, je t'acclame. Seigneur, je salue le changement. Seigneur, merci pour le changement dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de nos familles. Quand tu viens, le changement arrive. Merci pour le changement de maintenant dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, là où il y avait le blocage, que la libération commence et que les choses marchent. Au nom de Jésus-Christ, tous les dossiers qui ont été bloqués soient débloqués et que le changement entre. Au nom de Jésus-Christ, là où il y avait des démons, le péché,
la rétrogradation, que le changement entre, que la sainteté, la crainte de l'Éternel, le remplissant du Saint-Esprit, une vie chrétienne victorieuse puisse entrer au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la pauvreté, que le changement entre, que la prospérité vienne au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des malaises, des douleurs, les maladies, les infirmités, que la guérison vienne, amène le changement au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la tristesse, le pleur, le gémissement, le graissement des dents, que le changement entre, apporte la joie, apporte la paix, apporte la consolation, apporte la force, apporte les bénédictions, le changement substantiel dans la vie sociale, économique, professionnelle de tes enfants, au nom de Jésus-Christ, que chacun témoigne quelque chose a changé dans ma vie. Celui qui ne priait pas, qu'il commence à prier avec des forces, avec des onctions, au nom de Jésus-Christ. Seigneur béni, Seigneur béni, Seigneur rempli, Seigneur guéri, Seigneur délivre, Seigneur amène des changements sur des changements. Au nom de Jésus-Christ, ce que chacun a demandé comme changement, exaucez-le au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le prédicateur qui amène le changement, c'est toi Jésus-Christ qui amène le changement. Bénis ton fils et ton serviteur Jacques Ngongo, change-le également, les rappelle également au nom de Jésus-Christ. Bénis notre frère Daniel Kakule qui l'a interprété. Bénis les conducteurs des chants. Bénis tous nos diacres. Amène le changement dans leur vie, dans leur famille, les administrateurs, les prédicateurs, les huissiers, les auxiliaires, père, les veuves, les orphelins, les mamans, les papas, chaque personne, amène le changement dans sa vie. Bénis notre pasteur pour cette conduite, que nous puissions bénéficier de la prédication de ce soir. Nous t'acclamons, nous t'applaudissons, et maintenant bénir les dîmes, les offrandes du soir, afin que nous puissions partir pour ta gloire et honneur. Nous avons aussi demandé et nous disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le changement, nous acclamons les bénédictions. Dieu soit loué. Change votre vie et que tu témoignes quelque chose a changé dès ce soir, que ce soit spirituel, que ce soit sanitaire, que ce soit familial, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ton travail, dans ta situation. Amen. Amen. Et amen. Na, amina tena. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Alors lui, c'est quelques papiers ici. Tunasoma vikartasi chache hapa. Alors qu'il est aussi après les offrandes d'histoire. Na baba wabiku na kamata ma sadaka ya magharibi. Et nous allons partir na, tutaenda d'ici. Toka hapa. Amen. Je ne sais pas s'il y en a. Sijue kama kuko na... Tato ils ont des bouts de papier, tato ils ont cette chose. Ça zingi de biko na ba pandi avikartasi, ça zingi de biko na i bitu apa. Je ne vois rien ici. Si on est bitu moya apa. Alors que le Seigneur vous bénisse. Oui, Obana wa bariki. Nous acclamons le Seigneur. Tuna shangilia Bwana. Faites vite, on n'a pas le temps, sinon je vais prier. En général, nous allons partir. Dieu soit loué pour ce soir. Avez-vous apprécié?
notre frère Jacques Ngongo, acclamons pour les dons de Dieu. Quand Jésus arrive, quelque chose change. Nous serons encore ici demain jeudi pour l'écouter, prier pour lui, et Dieu sera encore au rendez-vous. Amen. Amen. Dieu soit loué. Nous chantons c'est quelque chose ici. Alors que les huissiers terminent avec les offrandes. Laisse-moi marcher, Seigneur, là où tu es passé. Rappelez-moi chaque jour d'amour. Marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers les cieux, les bateaux d'eau. Dans la joie, je suis abandonné. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. D'amour comme je marche, j'en vais la côte. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Là, c'est Oupio Rachel, à sa fille qui a des fièvres, à répétition. Là, c'est Marito Sali, qui va la victoire dans les épreuves. Là, c'est Joséphine Boalala, qui va la protection de sa sœur menacée par les kidnappeurs à Kampala. Merci, remerciement de la sœur Modorcas. Et pour ce que Dieu a fait pour elle, il a enlevé une boule qui a fait 10 ans dans son oreille gauche. Elle ne pouvait pas écouter à distance. Dieu soit loué. Le frère Aimé Doka Dima pour sa guérison. Il s'est fallu aigu. Le frère Max Charité pour la protection. Boule Bounia. Le frère Aimé Kisembo pour ses 36 ans. Et 34 d'âge du frère et de la sœur. Que Dieu soit loué. La sœur Marito Sali pour les objets volés qui sont retrouvés. Après la prière des frères Diacre Manganga, Jérémie Nzambi, pour l'avoir soutenu durant les stages, pour la sœur Boalala, la guérison des maux d'estomac et les corps entiers qui faisaient mal. Pour la sœur Benita, pour assister sa fille à accoucher sans problème. La sœur Irène, Amanire, pour la guérison après la prière de Félocolo et Memagbo, que Dieu soit loué aussi, pour la libération de son fils, du fils de son frère, qui avait prié ici, on avait prié pour lui ici à Bethel. Tu l'as fait sortir de la prison au Rwanda. Dieu soit loué. Le frère Moïse Mbabini, vous saluez tous au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur pour tout cela. Dieu soit loué. Lève-nous pour prier, pour partir. Je vais prier directement. Nous allons nous retrouver ici demain par la grâce de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, nous prions pour la sœur de Joséphine Boalala à Kampala, qu'elle ne soit plus menacée par les kidnappeurs, qu'elle ait la paix et la sécurité au nom de Jésus-Christ. Donne la victoire à la sœur Tosali Marie dans les épreuves au nom de Jésus-Christ, et que les fièvres s'arrêtent dans la fiette de Oupio Rachel au nom de Jésus-Christ, et que sa santé soit rétablie
au nom de Jésus-Christ, toute personne qui est malade, qui reçoive sa guérison, au nom de Jésus-Christ, toute personne qui a besoin, qui trouve la réponse, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, nous quittons le tabernacle maintenant pour aller chez nous à la maison. Que ta paix, ta bénédiction, ta protection rentre avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Éloigne de notre chemin accident, collision, incident malheureux, les pieds de Satan, que nous chassons loin, au nom de Jésus-Christ. Demain, je dis, ramène-nous ici pour écouter encore ta parole et ouais, encore puissamment ton serviteur Jacques Ngongo. Bénis notre cher pasteur en voyage missionnaire. Nous t'acclamons, nous te remercions, nous t'applaudissons pour la fin de ces services. Au nom de Jésus-Christ, ton fils bien-aimé. Amen. Et amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur est sauveur. Amen. L'eau de la vie coule partout, celui qui la boit n'aura plus de soif encore. L'eau de la vie coule partout, celui qui la boit n'aura. Oui, l'eau de la vie coule partout, celui qui la boit n'aura plus de soif encore. L'eau de la vie coule partout, celui qui la boit. Oui, l'eau de la vie plus de soif encore. L'eau de la vie coule partout, c'est lui qui la boit. Et l'eau de la vie qui coule du rocher, c'est lui qui la boit, n'aura plus de soif encore. L'eau de la vie coule partout, c'est lui qui la boit. Et l'eau de la vie qui coule du n'aura plus de soif encore. L'eau de la vie coule partout, c'est lui qui la boit. Et c'est lui qui la boit, n'aura plus de soif encore. C'est lui qui la boit. Et c'est lui qui la boit, n'aura plus de soif encore. C'est lui qui la boit. Et c'est lui qui la boit, plus de soif encore. C'est lui qui la boit. Et c'est lui qui la boit, n'aura plus de soif encore. C'est lui qui la boit. L'eau de la vie coule partout, c'est lui qui la boit, n'aura plus de soif encore.